téléspectateurs donc, de la radio et télévision française du droit de l'homme. Ici, vous observez donc cette confrontation entre les manifestants, les gilets jaunes, avec donc, les forces de l'ordre qui interdisent donc l'accès au centre-ville dans la rue piétonne Sainte-Catherine. Voilà donc cette manifestation donc des gilets jaunes à Bordeaux qui est aujourd'hui très animée, pourrait-on dire, très virulent, avec une équipe des policiers très nombreuse. Dans un état de fait que les CRS leur ouvrent pas la porte, et quand ils arrivent, le malfrat, ils ont retiré les clés, ils ont extirpé la personne et là ça rentre dans la gueule. On devrait continuer là, on s'en fout de ces connards là, allez on se tire là, c'est bon, ils l'ont arrêté, c'est bon là, on se tire là. Il y a une voiture, il y a la voiture qui a pété les plombs, ouais. On l'a arrêté là, ils ont extrait le carton, ils ont repris les clés, c'est bon, ils sont courants. Allons faire les petits enfants. Donc en tête dans la population, mais vas-y on passe. Il y a un mec qui fait un barrage, et bien vas-y on trace, on va plus le tracer. Bien sûr je veux porter
côté. Ok. Véhicule qui a failli renverser un manifestant et donc voilà, ça a conduit à cette situation. L'automobiliste a été apparemment interpellé par la police, apparemment on a pris ses clés et donc voilà, celui qui devait être la victime a été également reçu pour porter plainte. Deuxième projectile. Mais c'est les bulles. Tu as ta bulle, tu as ton casque. Qu'on en passe, vous direz au sol, il y a aussi ceux qui sont dans les bagnoles. Dans la rue nationale, vous êtes arrosement à la place. La place derrière. Rejoignez la place derrière. On a le droit d'écraser des citoyens. Qui circulent la manifestation. On a le droit d'écraser des citoyens en manifestation libre. Le mec avec le truc Bordeaux là. Non, je suis de retour, papa, je suis de retour. Derrière le parapluie rouge et vert. Ah, écho. Ça se retrouve pas mal au milieu. Major. Beaucoup d'individus derrière le parapluie rouge et bleu. D'accord, je suis là. Bon, ça se retrouve pas mal. Là, le parapluie rouge et bleu. La li la la, en voie de patriarcat. La li la la, on veut la PMA. La li la la, en voie de patriarcat. La li la la, on veut la PMA. Explique-moi contre qui je porte plainte. Et pourquoi tu vas aller
te mettre alors, dans la dans merde. Alors, dans ces cas-là, ne rejoins pas le cortège. Pourquoi des, dans ces cas-là, ne rejoins pas le cortège des Gilets jaunes et rejoins ceux qui manquent d'écraser le cortège. Non, non, c'est pas que je suis barré. J'ai discuté avec le gardien, il me dit de porter plainte contre X. Oui, ils ont vu, il y a des caméras là. Ok, j'ai fini 5 jours en hospitalisation à cause de... pas des gendarmes. Ça, c'est encore autre chose. Pas des gendarmes, des CRS. C'est encore autre chose, rien du tout. Justement, si vous voulez m'embarquer, vous m'embarquez. Moi, je veux juste un gendarme. Moi, je parle juste aux gendarmes. Et bien, c'est qui le gardien? Eh, mais sérieux? Si on peut pas faire confiance à gendarmerie. Gaspard Philippe. Oui, non, mais ça, je vais noter. AE, je dis gendarmerie. AE, c'est deux. Ok. Contre X, s'ils l'ont arrêté. S'ils l'ont arrêté, donc. Hein? Ils l'ont pas arrêté? Apparemment, ils l'ont pas arrêté. Ah. Apparemment, ils l'ont pas arrêté. Ils disent qu'ils l'ont arrêté, mais moi, excuse-moi, oui, oui. Mais j'ai vu la voiture partir. Ah, d'accord. Alors qu'il a manqué d'écraser des citoyens, dont moi. Je suis désolé, non. Ouais, ouais. Et ils me disent quoi? Porter plainte contre X? En premier lieu, ils me disent juste porter plainte contre X, passez-vous. Je fais quoi? Ils m'ont envoyé déjà 5 jours à l'hôpital. Pourquoi? Pour au final me retrouver sans rien. Hein? La police elle a en totale impunité, quoi faire. Mais pourtant ils étaient là quand la voiture est partie là-bas, comment ils l'ont pas arrêté? Ben excusez-moi de vous dire ça, mais ils étaient là aussi quand ils m'ont oui, tabassé. Oui, oui. Je suis désolé. Oui. Mais quand ils m'ont tabassé, il n'y a pas eu un seul pavé de jeté. Et pourtant j'ai fait 5 jours d'hôpital. J'ai des papiers, c'est tout. Et là ils me disent de porter plainte contre X, pourquoi? Pour que ça serve à rien. Alors dans ces cas-là, n'importe quelle personne a le droit d'écraser un citoyen qui proteste contre son pays. Ben non, je suis désolé, non. On n'écrase pas un citoyen. Mais bien sûr, non, puisque... Le mec, il manifeste pour ses droits, pour sa liberté, et on l'autorise à l'écraser. Pourquoi? Si je suis resté là-bas, c'est pour avoir un papier. Ouais. Ils m'ont juste noté ça. Hein? La personne qui a noté la plainte, pourquoi ils l'ont pas dit? Pourquoi faire? Est-ce que c'est... Je fais ça. Voilà. Je fais ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Là, c'est pas grave, puis ils sont ceux qui écrasent les citoyens français. Dans ces cas-là, faisons ça. Allons tous écraser les milliers de gilets jaunes. Les millions. Parce qu'apparemment on n'est pas des millions, on est un million, plus d'un million, d'après l'État, sur un site internet. Alors faut arrêter. Okay. Faut arrêter de faire, je sais pas quoi là, de la fausse information. On est là, 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 on est